faudrait que ce soit un thème qu'on reconnaîtra tout le temps, mais qui change par rapport aux images, évidemment. Donc je fais des variations de ce thème tout le temps et pour l'adapter à ce qu'il raconte. Je laisse volontiers tomber les épis de blé pour prendre la caméra. Ces nouvelles petites caméras, elles sont numériques, fantastiques, elles permettent des effets stroboscopiques, des effets narcissiques et même hyper réalistiques. J'étais pianiste, j'étais aussi violoncelliste à l'époque, mon père était violoncelliste. Donc, j'aime beaucoup les cordes. Et les cordes s'approchent de la voix humaine, surtout violoncelle évidemment, c'est pratiquement une voix humaine qu'on entend. Donc on peut tout exprimer ce qui est dans l'image du côté humain, surtout dans les films de quelqu'un comme Agnès Varda, où c'est l'être humain qui est au centre de tout et pas l'histoire quelconque. Et les cordes sont très importantes. Mais aussi, il y a des moments où il faut couper un tout petit peu avec ça, donc la trompette ou la voix humaine employée d'une autre manière, pas avec la main sur le cœur, etc., mais employée comme un instrument, et coupe un tout petit peu la sonorité des cordes, c'est important. Encore une main qui filme et l'autre qui est là. Et toujours ces camions. Je voudrais les attraper. Pour retenir ce qui passe? Non, pour jouer. J'ai écrit beaucoup de musiques, disons ce qu'on appelle sérieuses, classiques, etc., qui sont liées avec des sujets politiques ou historiques. Un sujet de glaneur et glaneuse n'est pas drôle non plus. Hein. On peut s'amuser de voir des gens qui ramassent quand il y a la journée de ramassage des grands objets, etc., qui sont déjà très tôt le matin pour chercher des pièces pour leur sculpture ou autre chose. C'est sympathique. Mais quand on voit les gens qui n'ont rien à manger et qui sont dans les marchés et qui retournent chaque boîte pour voir s'il n'y a pas une pomme qui est bonne ou une tomate, et c'est plus grave parce qu'on sait qu'il y a énormément de gens qui font les poubelles et qui n'ont rien à manger. Mais c'est la manière de présenter ça et les commentaires qu'elle fait là-dessus qui fait que la musique est différente. Le jour où il a mangé du persil, je me suis approchée. Vous êtes un grand mangeur de persil? De temps en temps, oui, parce que c'est très bon le persil. Vitamine C, vitamine E, bêta-carotène, zinc, magnésium, c'est excellent. Sa réponse m'a éberluée. Donc, c'est la façon dont elle montre ces images qui font que les thèmes sont moins graves ou plus, je sais pas quoi, plus légers aussi.